Instructions relatives à l'autotest de dépistage du cancer du col de l'utérus. Avant d'effectuer l'autotest de dépistage du cancer du col de l'utérus, lisez la feuille d'instruction qui se trouve dans votre trousse de test de dépistage. Ne prélevez pas d'échantillons. Si vous avez vos règles, veuillez attendre après vos règles avant d'effectuer un test de dépistage. Si vous êtes enceinte, que vous vivez avec le VIH ou que vous avez subi une greffe d'organes solides, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé pour connaître vos options de dépistage. Si vous avez subi une ablation du col de l'utérus pour une raison quelconque, comme une hystérectomie totale ou une chirurgie d'affirmation du genre, veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé pour savoir si le dépistage du cancer du col de l'utérus est toujours nécessaire. L'autotest de dépistage du cancer du col de l'utérus est très facile et ne prend que quelques minutes. Vous allez y arriver. Lorsque vous êtes prête, lavez-vous les mains et déshabillez-vous à partir de la taille. Tenez le capuchon rouge et tournez-le pour retirer l'écouvillon du tube en plastique. Placez le tube vide sur une surface propre. Tenez l'écouvillon à la ligne rouge. Ne touchez pas l'extrémité douce de l'écouvillon. Tenez-vous debout ou asseyez-vous les jambes écartées. Insérez l'écouvillon dans votre vagin jusqu'à ce que vos doigts touchent votre vulve. Il n'est pas nécessaire d'insérer l'écouvillon plus loin. Faites tourner l'écouvillon pendant 20 secondes. Ensuite, retirez l'écouvillon. Glissez l'écouvillon dans le tube en plastique et poussez fermement le bouchon pour le fermer. Lavez-vous les mains à nouveau. Lorsque vous avez terminé, inscrivez clairement la date à laquelle vous avez prélevé l'échantillon sur l'étiquette du tube et sur la demande d'analyse de laboratoire, comme indiqué. Placez le tube dans le sac en plastique transparent et scellez le sac. Placez le sac scellé et votre demande d'analyse de laboratoire dans l'enveloppe de retour affranchie. Déposez l'enveloppe au bureau de poste le plus près dès aujourd'hui. Vous et votre fournisseur de soins de santé devriez recevoir les résultats dans environ 4 à 6 semaines après l'envoi de votre échantillon par la poste. Le pouvoir de dépister le cancer du col de l'utérus est entre vos mains. Pour de plus amples renseignements sur l'autotest de dépistage du cancer du col de l'utérus, consultez votre fournisseur de soins de santé ou le site web suivant.